your boss just said that because of our smell, we have to go outside. This is it. Yes, it is. That's okay. It. What smell? The smell of what? I don't know. You should know. Donc comme je disais, c'est à partir du moment où il y a eu un certain engouement autour de la vidéo que le propriétaire nous écrit pour s'excuser et nous dire qu'il a renvoyé les deux personnes. Maintenant, est-ce qu'on pense que c'est une initiative des deux serveurs? Honnêtement, on n'en sait rien et on ne pourra jamais savoir. Mis à part cela, le séjour à Istanbul dans l'ensemble s'est relativement bien passé. On a eu quelques petits incidents avec des regards, des moqueries, mais on a plus mis ça sur le dos en fait. De la différence et le fait que les Turcs ne voient peut-être pas forcément beaucoup de noirs à Istanbul, donc du coup ça peut étonner, mais entre ça et le fait de se faire renvoyer d'un restaurant soi-disant pour une question d'odeur, il y a quand même une grande différence. Est-ce qu'on considère que cet acte est raciste? Ben, l'acte au restaurant, clairement on ne peut pas dire le contraire parce que malheureusement l'attitude des serveurs, la manière dont ils ont réagi, la manière dont ils nous ont répondu, on était clairement là-dedans. Maintenant, on n'est pas là à dire que la Turquie, c'est un pays raciste. On ne dit pas non plus que tous les Turcs sont racistes. On dénonce juste en fait une situation qu'on a vécue et qu'on n'aurait pas dû vivre et que l'on trouve complètement injuste et assez humiliante. Mais il est important en fait de dénoncer parce que c'est pas normal de vivre ça en tant que touriste et tout simplement en tant qu'être humain. On n'a pas à vivre ce genre de situation aujourd'hui en 2019 et quelle que soit la période.